الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فهذا الفيديو إن شاء الله تعالى سأتحدث عن علامات تعطيل الزواج. De ce vidéo, Inch'Allah, j'ai parlé des signes de blocage de mariage. فعلت فيديو أظن قبل هذا وتحدث عن أربع أشياء ولكن هذا يعني أظن أنه مفصل أكثر. أولا عدم الرغبة في الزواج. La première, j'ai parlé de deux choses, Inch'Allah, des علامات qui j'ai pris des notes. عدم الرغبة في الزواج. La première, le fait de l'envie, pas envie de se marier. Quelqu'un qui n'a pas envie de se marier, n'a pas envie de se marier. Non. Iqamat, thaniyan, iqamat l'alaqat, bidoun at-tahadduth an zawaj. La deuxième, il peut quelqu'un faire une relation sans que aller jusqu'au mariage. Ça veut dire qu'il peut faire des relations avec des personnes comme ça, mais pas Aliska au mariage. Il ne veut pas aller, un exemple, ce qu'a parlé de mariage, au mariage. Naam. Thalithan, lil banat. Adam qudum rijal lil khutba. Troisième, pour les femmes ou les filles. Il n'y a personne qui vient demander la main par rapport au mariage. Rabi'an, rijal. تعطل ووجود أحداث عند الخطبة يعني عند الخطبة غير متوقع. Pour les hommes, un blocage, surtout le jour qu'il va faire le khutba, il va demander un exemple à la main d'un fils, il aura un blocage. Il peut, exemple, sa voiture tomber en panne, il peut l'arriver lui des choses, la famille aussi, ça peut arriver des choses aussi, c'est l'autre famille. Naam. Khamisan. Lilbanat. Inda al-khitba al-rajul yash'ur bidghoutat fi s-sadr wa hudouth lahu manamat muz'ija, mathala. La cinquième pour les femmes. Quand quelqu'un vient demander leur main pour le mariage, l'homme, il va sentir, comme la femme est touchée, l'homme, il va sentir pas bien. Et quand il va rentrer chez lui, il va commencer... Il va commencer, comme la femme est touchée, il va commencer à faire des cauchemars, il va commencer à voir de la pression, il ne sait pas ça vient d'où. Il y a plein d'événements qui vont passer tout en même temps, voiture, plein de choses qui vont arriver, qui lui ne comprend pas tout ça, et parfois, il va dire, stop. Depuis que j'ai demandé la main d'un tel, ça commence à m'arriver des problèmes. Sadisa, les rijal, hudouth, mashakil, les bint, inda al-khitba, alam fil ras, al-waswas, ahlam muz'ija. Sixième, pour les hommes, la femme, il va avoir des problèmes comme quelqu'un, il va venir demander sa main, il va avoir des problèmes. Il va avoir des problèmes. Des douleurs dans la tête, des douleurs dans la tête, al-waswas, des chuchotements, il a beaucoup de waswas, et après il va faire beaucoup de cauchemars, beaucoup de choses qui vont se passer, qui vont bloquer cette khitba et ce zawaj. Sabi'an, hub l'uzla, ça c'est pour les deux, les femmes et les hommes. هذا للرجال والنساء يعني حب العزلة إنسان يبقى وحده ولا يتحدث مع الناس يحب أن يكون دائما وحده. Le fait de aimer rester seul, le fait de aimer rester seul, ça aussi c'est un symptôme pour les hommes et les femmes, ceux qui restent tout le temps seuls. نعم, c'est un des symptômes qui ça bloque les mariages et un des symptômes qu'il a un blocage de mariage. نعم. ثامنا أحلام إباحية معاش معاشرة في المنام. ثامنا يبوف كلكان إفام ونام غيفي ودولي غيف فير بوكو بوكو دي غيف إيروتيك بافوا ميم أفيك كلكان
de la famille qu'on peut voir, quelqu'un, une femme, il peut voir faire ça avec son père, avec son frère, Wallah, il peut faire, il peut voir ça. Non, ça, c'est des symptômes aussi pour celui qui a un blocage au mariage. Tasi'an, la yuhib at-tahadduth 'an az-zawaj. La neuvième, il n'aime pas homme ou femme, il n'aime pas quelqu'un qui le parle de mariage. Une fois il le parle de mariage, c'est bon, il est angoissé, il n'est pas bien, il n'aime pas quelqu'un qui le parle de mariage. Ashiran, dhahab sin, wa taqaddum fi sin, wa adam at-tafkir fi az-zawaj. La deuxième, tu vois la personne, elle entre à avancer en âge. Elle entre à avancer en âge et il pense même pas au mariage. Il pense même pas au mariage. Et il pense même pas au qui va se marier. C'est-à-dire elle a avancé en âge. Elle commence à vraiment à prendre de l'âge. Mais jamais il va penser au mariage. Et dans ça m'est arrivé une fois, j'étais dans un mariage. Et après, on était comme ça. Je fais un kalima, je fais un rappel. Et après, il y avait un à côté de moi et je lui ai parlé un petit peu. Il travaillait bien et tout ça. J'ai posé la question. Peut-être qu'il avait 54 ans, mais comme je lui ai parlé de mariage, il est venu tout rouge, tout ça. Comme je lui ai dit, je sais pas quoi. Il a dit, mais Inch'Allah, c'est ça. Mais là, il a pas de relation. Là, il s'est jamais marié. Il s'est jamais marié. Et après, je l'ai conseillé. Je dis, faut essayer, Inch'Allah, ta'ala, faire la ruqya pour prendre un traitement. Et parfois, on fait un petit traitement, la ruqya, et là, tout ça se débloque. Tout ça se débloque. Et ça vient avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et les portes vont s'ouvrir et ça va revenir à la normale bi'idhnillah as-sami'il 'alim. Hada wallahu a'lam. N'oubliez pas inchallah ta'ala de abonner et partager cette vidéo. Je vous dis à la prochaine fois. Barakallahu fikum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbi al-'alamin.